Jamais je n'aurais cru un jour écrire un livre. Sachant que moi le français ça fait deux, et de plus, je n'ai lu que deux livres dans ma vie. C'était le tome 2 et le tome 3 d'Harry Potter. Mais lorsque vous avez une idée en tête et que vous êtes motivé, les difficultés ne vous arrêteront pas. Et ça a été le cas de mon côté, avec l'écriture de mon premier livre, mon quotidien, le cyberharcèlement. Peut-être que je trouverai la motivation pour écrire un deuxième livre qui sera plus joyeux. Parce qu'au vu de l'image ainsi que du titre, c'est un livre qui vous ne donnera pas le sourire. C'est un livre très sombre, où je vous raconte toutes les anecdotes en rapport avec le cyberharcèlement que je subis depuis des années. Il est uniquement disponible sur Amazon en version livre broché ou en version dématérielle, moins cher. Je vais vous lire d'ailleurs la petite synopsie à l'arrière. C'est d'ailleurs en parlant de la couverture, c'est une photo que j'ai prise chez moi, tout seul. J'avais envie de mettre le livre pour montrer que je vous raconte mon cyberharcèlement à travers ce livre. Vous pouvez vraiment me critiquer sur la couverture, l'arrière de couverture, le style d'écriteau, il n'y a vraiment pas de problème. Il ne faut pas hésiter à avoir un avis critique sur ce que je fais. Et concernant l'arrière, c'est en fait la miniature de ma vidéo où je parlais du cyberharcèlement qu'a pu subir Sardoche. Avec le logo Astérion. La petite tranche. Franchement, en y repensant, même si ça a été très compliqué pour moi d'écrire ce livre, j'ai quand même une petite fierté d'avoir ceci entre mes mains. Même si ça a été très très compliqué de l'écrire. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir me mettre dans le bain, j'ai fait quelque chose... Ah non, j'ai oublié de vous... Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous raconter la synopsie.